Kate Middleton semble prendre davantage de place au sein de la famille royale britannique. La mère des princes George, Louis et de la princesse Charlotte l'a encore prouvé récemment. Alors qu'elle s'était déplacée à la base aérienne de la Royal Navy, dans le Somerset, seule, l'épouse du prince William a semblé plus à l'aise que jamais. C'est en tout cas ce qu'a constaté Darren Stanton, expert en langage corporel, qui a analysé son comportement dans les colonnes du Mirror, jeudi 21 septembre. Ce dernier a déclaré que la princesse de Galles avait l'air constamment confiante lors de cette mission royale, montrant à l'assistance qu'elle avait progressé dans ses fonctions et que son indépendance avait évolué depuis le décès d'Elisabeth II. Un an après que la monarque a rendu son dernier souffle, Kate Middleton donne l'impression d'être plus investie dans son rôle de future reine d'Angleterre. Lorsqu'elle a rencontré les représentants de la marine en participant à des activités militaires, la femme du prince William semblait apprécier chaque moment, se présentant comme ouverte et honnête. On sent qu'elle a une nature très attentionnée et nourricière, même avec des personnes qu'elle n'a jamais rencontrées auparavant, a estimé Darren Stanton auprès de nos confrères anglo-saxons, persuadé que Kate Middleton avait l'air de s'amuser et se laisser vraiment aller. Supérieure à Kate Middleton, son évolution beauté des années 2000 à aujourd'hui une future reine tout à fait à l'aise sans son mari, ce qui semblait loin d'être le cas pour le prince William, en déplacement à New York et qui donnait l'impression d'être bien plus nerveux sans son épouse. Celle-ci, en tout cas, se sentait comme un poisson dans l'eau, en tant que femme forte, vraisemblablement pas gênée par l'absence de son mari. Un enthousiasme et une aisance qui rappellent ceux de Camilla, tout à fait sereine sans la présence du roi Charles III. Deux femmes qui montrent qu'elles sont fortes et indépendantes par elles-mêmes et qui ont l'air de manquer à leurs époux lorsqu'ils doivent se rendre en public sans elles. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence.